Je pense qu'il y a un combat, il y a un combat effectivement à mener. Bon, bon vous savez, je, je suis vieux, et puis il y en a d'autres qui, qui le mènent et qui sont plus jeunes, heureusement. Hein. Euh, mais il y a certainement un combat à mener, d'une part, bon, contre, effectivement, on peut dire les idéologies ouvertement réactionnaires, euh, ouvertement, bon, élitistes, enfin, ce qu'on appelle élitistes, parce que, les, disons, malgré qu tout, les élites sont quand même assez misérables, sur, 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 sur tous les plans, quoi. Euh, et, puis, et puis, il y a ce combat à mener contre, euh, contre des fausses évidences, comme la fausse évidence qui vous fait, qui vous fait penser que l'élection présidentielle, c'est le, le sommet de, de la démocratie, euh, par exemple. Et aussi, tout, euh, voilà. Je pense qu'il y a un combat à mener pour euh, peut-être amener la pensée à la démocratie euh, hors de cette espèce d'obsession finalement du choix. Enfin, tout se passe comme si la, la démocratie, ça veut, ça veut dire simplement qu'il faut y avoir le plus grand nombre de choix. On a l'idée que si a une élection tous les ans, plusieurs par an, plus ouais. oh, il y a de choix, plus c'est formidable. Euh, non, je pense qu'il faut vraiment redéplacer la démocratie de euh, ne, ne qu'elle soit plus du côté du fond du choix sur ce qu'on vous propose, mais du côté de l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Bon, à quelques-uns ou à quelques-uns ou à un plus grand nombre, c'est quand même ça qui ont été qui a été posé dans les mouvements les plus intéressants Alors, les avis, quand, dernières on, années. quand on trace une ligne ou une politique il, il y a forcément des choix même dans le cadre de ce que vous dites non des on fait toujours des on fait toujours des choix mais je dirais que bah, on prend toujours on prend toujours des on prend toujours ouais, des décisions est quoi. Mais quelle différence que... entre un choix et une décision comme vous dites une, une, je dirais que une, une, le, le, la différence c'est dans l'idée du choix il y a toujours l'idée comme ça on, on vous propose tout vous êtes libre vous allez vous allez comparer vous allez choisir mais c'est mais c'est une blague quand, quand vous êtes dans, dans un, engagé dans un processus d'action à un certain nombre ben vous prenez vous prenez un petit peu des décisions mais, mais, mais un, un, si vous voulez un, un peuple électoral ça existe ça existe pas en réalité quoi c'est une série d'individus à qui voilà à qui on dit ah vous avez le choix voilà tous les programmes qui a lu tous les programmes qui pourrait ayant comparé tous les programmes euh, dire voilà j'ai noté tous les points de tous les programmes et ça fait euh, ça fait plus de temps pour Aslino et plus de temps pour Cheminade. Personne. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment ramener cette, cette la, la question un petit peu de l'action et de la décision là, hors de cette espèce de, 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 de frénésie ou de enfin de, de fausse d'un petit peu de, de fausses pensées quelque sorte. Ils font toujours de l'offre quand vous offre on vous offre des programmes et vous avez à choisir. Je pense qu'effectivement la démocratie ça ne consiste pas à, à choisir euh, entre des programmes qu'on vous amène avec des avec du avec du copier-coller comme ça que de, voilà qu'on a bricolé en faisant en prenant un peu de culture un peu des un peu de social et ainsi de suite, voilà, il s'agit quand même de savoir si les, les gens ont une autonomie de pensée, c'est quand même ça le, le fond du problème.